de 40 éloges de l'Afrique. Elle a un don dans le moteur, et si la France peut être encore gagnée par l'afro-optimisme, elle trouverait une nouvelle raison de ne pas en espérer, car à ce stade, les braillards de l'anti-mondialisation ne pourront jamais rien contre cette réalité qui aujourd'hui crève les yeux. Un milliard de terriens sont sortis de l'extrême pauvreté au cours des 20 dernières années. Pour en venir encore un instant à Poutine, aux États-Unis, Time lui consacre également sa couverture, du moins dans son édition américaine, et tout un dossier à l'occasion des Jeux de Sochi, avec une illustration qui n'est pas faite pour enthousiasmer l'intéressé, puisqu'elle représente un saut à ski par-dessus les fameux anneaux olympiques, représentés ici en fil de fer barbelé. La plaquette de radar revient aussi côté français, en tout cas, sur la rupture entre François Hollande et celle qu'il avait installée en 2012 comme première dame à l'Élysée. Parinache, dont elle était et est restée, et restera sans doute d'ailleurs, la collaboratrice, publie un entretien avec Valérie Trierweiler, dans laquelle elle explique « Quand j'ai su son infidélité, j'ai cru tomber d'un gratte-ciel. » Le nouvel observateur raconte les secrets d'un renommement intime. « Valérie, c'est fini, écrit-il. Le président l'a annoncé lui-même et a ainsi mis fin à une longue passion qui n'avait jamais été un lit de rose. » Et je crois d'analyser lui aussi ce qu'il nomme l'échappée solitaire du président. Une nouvelle vie privée, un tournant économique, une nouvelle communication. Hollande, cet homme qui choisit quand il n'a pas le choix, écrit-il, se réinvente en coulisses. Quant à Marianne, il est consacré à sa couverture et tout un dossier en ce qu'il tient pour un débat interdit, aussi que la France sorte de l'euro. Un sujet dont il croit savoir que les politiques pleurent parler. À la semaine prochaine. من الثلاثاء إلى السبت من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال.